là, j'ai pas du tout pour contrer. Pour le début, donc Tony Conquistella sur Battlefield Fox contre Bowser Jr. Un match-up que je connais pas. Je saurais pas vous dire qu'est-ce qui est bon à faire. Bon, pas là, tout à l'heure. Bon, père. Un autre affaire, on a fait des deux gloves d'ici. Affaire, un smash. C'est un homme qui dit que le tempo du match en ce moment. Bon job. On s'est fait avoir. Bon backer pour annuler leur smash. Très risqué par contre. Bon bear. Le petit laser pour la pression. Ou bon air pour. Bon mix-up de Tony. Ouh, bon smash. Pas tout à fait assez. Qu'est-ce qui se passe? On a des pauses. BM. BM. Tony BM confirm. Bon. Donc on continue. Et. On est allé pour un grab release. La première fois, je vois quelqu'un avec force faire un grab release. Tout. Ça a marché pas de ça. Il a essayé de. On va refaire la scène. Il a fait ça? Il a fait ça. Ah, c'est bon. Attendez. Bon, bear. Ça va avec une petite avance confortable. Je vais faire la. Ah, c'est bon. Mais ce qui est mieux, selon moi, c'est de air dodge pour la ramasser. Moins de lag, puis tu l'as en tes mains. Ah ouais. Tout le temps. L'Evensor tombe. Mais qu'as-tu pas? Le turnip. La moto. Non, tu peux pas, ce serait nice. Tu aidages de. Faudrait que juste les heavyweights puissent faire ça. J'aime pas le fait qu'on puisse donner une action juste passer avec une catégorie de personnage. Ah ouais. Ben tu sais. Si ça peut les balancer avec la moto. Il y a un match-up qui fait que les joueurs sont super. Contre Wario seulement. Oh, on s'est fait avoir. Très serré. Oh, nice. Nice for a smash. No edge guard. Ah, wow, nice. Good job. Ah, oh, ouais, clairement. Non, not quite. Ouh, ah, c'est pas pire ça! Wow, that was stylish! C'est bon ça, c'est bon. Nous apprécions. Docteur Mario, j'ai joué avec lui hier en ligne, avec son Docteur Mario, et il était legit, il était legit. Docteur Mario explose. Ah ouais? Docteur Mario a des strings rapides, efficaces, faciles. Bowser est lourd, lent et gros. Ah ok, puis avec le kill potential plus haut que Mario. Je vais checker la file. On va aller voir ça. Ah ouais. Ah, bon, ok. C'est vrai qu'il n'y a pas le même que Mario. Back row, Bowser stage. Up air, up smash. Oh wow, that pivot grab. Ben, je pense que ça aurait été bon ça. La cap sur le. La cap up stage, ouais, non? J'irai pas pour la cap encore. Ok. Donc, le fond est juste à Bowser où on finit l'absence de tech.
on a tenté de le faire. C'est pas grave. On a vraiment tenté le temps de vie pour le kill. Il mâche pas. C'est difficile de se rendre haut. Il mâche pas assez pour un speedrunner. Donc on a vu venir l'heure du match, on sait pas faire avoir. Oh! Ça c'est risqué, faut jamais rester en dessous. Le up B à Dr. Mario c'est un kill move, si je me trompe pas. Ouais. Donc, ne pas rester au-dessus ni en dessous de la base, c'est très dangereux. Non, clairement. Oh, faut faire aussi attention avec les rolls, puisqu'il y a plusieurs attaques qui vont pouvoir couvrir ça. Son up B est très efficace pour faire. Up B, down smash, le feu. Son up smash, faut jamais essayer de la challenge. Jamais, au grand jamais. Son down B aussi très avec un counter. Son down B quand c'est chiant, faut jamais essayer. Et voilà, on essaie de la challenge, on sait pas avoir. Clairement. Jamais de challenge là, tu m'achètes. Justement, les gens vont expérimenter avec Bowser, ils vont souvent, même trop, aller pour le obstacle, c'est très facile à finir. Dans ce cas-ci. Ah, ça c'est un bear. Un bear, ça aurait fonctionné. Ok. On s'est lancé. Ah, nice. Très bien. Bon, back air. Le lampeur est un peu mal spécé. Hey, c'est plus où le lampeur? Ok, il a fait exprès. Oh, intéressant. T'aurais pu le pas mort, Cristal? Oh! 2-0 pour Cristal. Bien joué de la part de Cristal. C'était. On a des bons plays avec. Je pense que c'est la première fois qu'on a vu Dr. Mario ever, c'est possible? Oui, c'était la première fois qu'on a vu Dr. Mario. La première fois ever. Ouais, très bien.